Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Green Univers. Je suis Patricia Laurent, cofondatrice et directrice de la rédaction, et donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré à un sujet dont tout le monde parle et que nous suivons de près sur Green Univers. L'hydrogène vert. Alors, nous sommes ensemble pour une heure. Nous allons d'abord avoir évidemment un échange avec le panel que je vais vous présenter dans quelques minutes. Petit message pour les participants qui sont en train de nous rejoindre. Vous pourrez poser des questions à nos intervenants en utilisant le chat et nous les prendrons soit au fil de l'eau, soit nous les grouperons en fin de session. Alors, l'hydrogène vert, c'est le thème du moment, si j'ose dire. Il n'y a pas une journée sans une actualité sur le sujet. Vous savez que la France a annoncé un plan ambitieux doté de 7 milliards d'euros sur 10 ans, que dans le plan France 2030 présenté par le président Macron il y a environ un mois, l'hydrogène est arrivé en deuxième position parmi les 10 priorités qui ont été annoncées. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron est à Béziers, où il va visiter le site de Genvia, un des jeunes acteurs français de l'hydrogène. Et puis, on voit bien une multiplication des projets, des entreprises qui sont très actives, qui se financent, qui visiblement n'ont pas trop de problèmes pour trouver des fonds. On va en parler. On a eu plusieurs introductions en bourse avec des valorisations élevées ces derniers mois. Alors, il y a des projets, il y a de l'argent pour les financer, mais qu'en est-il des modèles économiques? Où sont les premiers clients? Alors, quand on parle des premiers clients, on évoque souvent l'industrie. On pense aux producteurs d'ammoniac, aux aciéries, à tous ces industriels qui utilisent de l'hydrogène dans leurs process. On pense à la mobilité lourde, que ce soit ferroviaire, on va en parler, maritime, terrestre. Mais où sont-ils exactement? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'on peut signer d'ores et déjà des contrats ambitieux avec eux? Ça fait partie des questions que nous allons aborder, de même que la question de comment améliorer la rentabilité de l'hydrogène vert, puisqu'aujourd'hui, on sait évidemment que l'hydrogène vert n'est pas encore compétitif par rapport à l'hydrogène issu des énergies fossiles. Il y a un différentiel qui aujourd'hui de plus du simple au double. Donc, comment le rendre plus compétitif pour élargir les marchés? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec nos quatre intervenants. Donc, je vous présente d'abord Maud Auget, qui est responsable du développement France et international de LIFE. LIFE, c'est ce jeune producteur d'hydrogène à partir de sources renouvelables dont on entend beaucoup parler, qui est souvent une de l'actualité, qui a inauguré son site de Bouin en Vendée il y a quelques semaines et annoncé par la même occasion une levée de fonds de 50 millions d'euros pour accélérer ses projets. Autre intervenant, Stéphane Cabat, devant un magnifique train hydrogène. Donc Stéphane Cabat est directeur Smart and Green Mobility d'Alstom, pionnier des trains à hydrogène. Michael Salomon, qui est CEO de Clean Horizon, un cabinet qui est spécialisé dans le stockage d'énergie sous toutes ses formes, et donc notamment l'hydrogène, et qui est partenaire de cette matinale. Et Pierre-Germain Marlier, donc qui est vice-président en charge des investissements de 5T Hydrogène. 5T Hydrogène, société de gestion du groupe 5T dédiée à l'hydrogène et qui a remporté avec Ardian, il y a quelques semaines, un appel d'offres pour la gestion du fonds I24, un fonds qui est doté pour l'instant de 800 millions d'euros et qui réunit comme souscripteur beaucoup de fleurons de industriels français et étrangers, et fonds qui vise plus de 1,5 milliard d'euros à investir dans l'hydrogène. Donc, nous allons échanger avec eux. Alors, la première question, comme je le disais, on parle beaucoup des projets, on parle beaucoup de la manne d'argent qui arrive un peu de tous les côtés sur ces marchés de l'hydrogène, mais à qui va-t-on vendre? Quels sont les premiers cas d'usage et quels sont les premiers clients? Alors, Maud Auget, vous produisez de l'hydrogène vert, donc forcément, il faut des débouchés, il faut le vendre. Donc, assez naturellement, c'est à vous que je vais poser cette première question. Vous, aujourd'hui, qui sont vos premiers clients? Quels sont ceux que vous voyez arriver là, aujourd'hui et dans les mois qui viennent, avec lesquels vous signez des contrats? Alors, on a trois grandes typologies de clients. Les collectivités, d'abord, puisque les bus hydrogène arrivent sur le marché et sont de plus en plus matures. On parle aussi beaucoup de bennes à ordures ménagères hydrogène. Donc, tout ça arrive. C'est encore timide. Vous avez parlé de contrats ambitieux tout à l'heure. Ce n'est pas encore des flottes entières qui passent à l'hydrogène, mis à part Dijon Métropole.
Mais voilà, ça fait partie des premiers clients et il y a de plus en plus de villes qui se posent la question. Et puis, bien sûr, tout ce qui est mobilité lourde, donc des transporteurs avec qui aussi on discute de plus en plus, que ce soit pour des camions neufs ou pour des camions, ce qu'on appelle rétrofit. Et puis, tout ce qui est aussi les acteurs de la logistique, puisque les chariots élévateurs à hydrogène, pour le coup, c'est des technologies qui sont très matures, qui fonctionnent très bien. Et donc, un de nos premiers clients est une grosse centrale logistique qui a l'intégralité de ses chariots qui fonctionnent à hydrogène. Ça, c'est pour le site de Bouin, par exemple. Et puis, on a beaucoup de projets en développement pour les industries. Voilà, le gros projet qu'on a annoncé au Danemark de 124 mégawatts, la production sera intégralement destinée à des usages industriels de production de bioéthanol. D'accord. Et alors, vous disiez pour l'instant, ce ne sont pas encore des grands contrats ambitieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un corporate PPA avec un industriel sur plusieurs années. Ça, c'est encore trop tôt. Pour l'instant, on est plutôt sur des contrats de courte durée. Comment ça se passe ? Alors, ça dépend du client. Quand on discute, par exemple, le contrat au Danemark, ça sera un contrat long terme parce qu'on ne fait pas des investissements sur 124 mégawatts d'électrolyse pour un contrat de 3 ans. Par contre, en effet, quand on discute avec des collectivités ou des centrales logistiques, aujourd'hui, elles ne s'engagent pas sur 10 ans. Donc, on est plutôt sur des durées entre 4 et 10 ans en fonction des typologies de contrats. Et puis des habitudes des clients aussi auxquels il faut là aussi qu'on s'adapte. Et qu'est-ce que vous voyez émerger est-ce que vous voyez émerger des écosystèmes où on pourrait avoir finalement une sorte de panel de clients avec un site industriel, une collectivité proche pour essayer d'éviter aussi, puisque l'idée c'est de pas forcément transporter cet hydrogène que vous produisez. Voilà, alors nous c'est vraiment le modèle qu'on porte. L'installation de sites qu'on appelle semi-centralisés, c'est-à-dire qu'on va quand même industrialiser la production d'hydrogène et pas se limiter à produire de l'hydrogène pour une station de distribution donnée, mais donc faire des sites de production industrielle quand même de l'hydrogène pour rendre cet hydrogène renouvelable compétitif, des sites directement raccordés aux énergies renouvelables qui sont disponibles sur le territoire. Et derrière, on va aller alimenter différentes typologies de clients sur un territoire le plus restreint possible. Demain, 50 km. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 150 km. Mais l'idée, c'est vraiment que ces sites rendent l'hydrogène renouvelable compétitif. Et compétitif, ça veut dire disponible à tous, petites comme grandes collectivités, petites comme grandes entreprises, et disponible en termes de prix, donc comme je le disais, et en termes de carburant local à proximité. D'accord. Donc, pour l'instant, il y a tout un travail de prospection quand même qui doit se faire sur un territoire pour convaincre des clients de nature différente à s'alimenter en hydrogène vert. Tout à fait. Après, le travail de prospection, ça fait partie du métier, on va dire, on est gazier, on vend du gaz. Par contre, on voit vraiment, nous, la différence depuis qu'on a inauguré notre site de Bouin. On a beaucoup plus de flux entrants qu'auparavant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt, et notamment pour les clients privés, je pense, c'est très difficile pour eux de se projeter tant qu'on reste sur du PowerPoint. Quand on a un vrai site qui produit, qu'on peut visiter et qui livre ses clients, là, ça devient beaucoup plus facile de se dire « Bon, bah oui, en effet, c'est quelque chose qui existe. Pourquoi est-ce que je ne passerai pas 4-5 camions à l'hydrogène et pour voir comment ça marche. Très bien. Alors, on reviendra avec vous sur ces aspects-là. Mais Stéphane Cabat, alors vous, évidemment, autre contexte. Là, on est dans le monde industriel. Alstom, le ferroviaire. Alstom qui s'est engagé très tôt dans les trains à hydrogène. Dès 2014, vous avez commencé à travailler sur ce marché, évidemment en substitution au train diesel. Alors, qu'est-ce qui a été le levier ? Qu'est-ce qui a fait que le groupe, à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà des prospects intéressés pour que le groupe s'intéresse de près à ce marché ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, donc effectivement, c'est un sujet important pour Alstom. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant de parler effectivement de ce qu'on a commencé à faire en 2014, aujourd'hui, le président Poupart Lafarge a clairement fixé un cap qui est aujourd'hui important pour toute la mobilité verte. L'hydrogène en fait partie, bien évidemment, et donc c'est un axe
extrêmement structurant de la stratégie du groupe pour les décennies à venir, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, c'est un sujet qu'on a commencé il y a très tôt, il y a très longtemps. On a commencé en 2014 de réfléchir collectivement, parce que c'est un sujet effectivement qui est collectif, hein, c'est pas uniquement Alstom dans son coin qui a réfléchi à ça. C'est un travail de filière, des filières industrielles bien évidemment. C'est aussi un travail qui implique des énergéticiens, parce que encore une fois, ce qu'il faut dire, c'est que la mobilité ferroviaire est un cas d'usage dans une application verte avec de l'hydrogène, parmi d'autres bien évidemment. Donc c'est une réflexion collective qu'on a commencé à mener dès 2014. Alors 2014, le sujet s'est porté en Allemagne. Alors pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il faut savoir que vous avez d'ailleurs, comme dans beaucoup de pays européens, vous avez une grande partie du réseau sur lequel roulent les trains régionaux qui ne sont pas équipés de systèmes électriques, ce qu'on appelle la caténaire, qui permet donc d'alimenter normalement des trains qui fonctionnent à l'électricité. Donc l'Allemagne a 50% de son réseau qui n'est pas électrifié aujourd'hui. Donc vous avez un nombre important de trains régionaux qui circulent aujourd'hui dans des configurations diesel et que par conséquent les émissions de CO2, mais pas que ça, hein, il y a aussi effectivement les problèmes de NOx, vous avez aussi les problématiques effectivement qui sont prises en compte des particules fines qui nous ont fait réfléchir pour qu'on puisse s'engager dans une nouvelle trajectoire de verdissement de ces mobilités. C'est une volonté très forte en Allemagne depuis 2014. Le sujet aujourd'hui est un peu généralisé, hein, donc on est très content de savoir que d'autres pays comme la France, par exemple, ont emboîté le pas à l'Allemagne sur le sujet du verdissement des flottes de trains régionaux pour que, effectivement, le parc existant européen puisse basculer de solutions polluantes vers des solutions beaucoup plus vertueuses comme l'hydrogène, bien évidemment. Mais au-delà de remplacer le parc existant, il y a aussi un défi sur le plan de ce qu'on appelle en fait le transfert modal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une part importante du trafic des mobilités, aussi bien au niveau des passagers que sur la partie fret, qui se font par des solutions routières. Donc on voit les camions hein, tous les jours hein, qui traversent effectivement notre cher territoire français. Qui polluent énormément. Donc, l'objectif également au travers ces verdissements des flottes ferroviaires, c'est de pouvoir capter une partie des mobilités qui aujourd'hui se font par la route. Donc, c'est vraiment un double objectif, remplacer les flottes de trains qui sont aujourd'hui propulsées par des solutions diesel et en même temps pouvoir capter du trafic routier qui pourrait effectivement trouver sa pertinence dans le domaine des ferroviaires. Donc ça, c'est la picture globale, comme on dit en anglais. Maintenant, ce qu'on a fait concrètement donc depuis 2014, c'est une réflexion sur un train qui s'appelle le Coradia. Le Coradia, c'est une gamme de produits en fait, qui est la gamme de produits de trains régionaux chez Alstom. Donc, on a vendu beaucoup de ces Coradia dans des configurations diesel sur le marché allemand, comme je l'ai déjà dit. Et on a, par conséquent, donc, réfléchi pour pouvoir entièrement donc, sur cette base-là, cette plateforme déjà existante, pouvoir remplacer toute la propulsion diesel par une propulsion hydrogène. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on a pris un train, enfin, on a sorti un nouveau train, si vous voulez, des chaînes de production, parce que nous avons un site en Allemagne qui produit ces trains-là. On a remplacé le pack diesel par une fuel cell et on a rajouté les réservoirs, bien évidemment, d'hydrogène, parce qu'il faut stocker à bord l'hydrogène. On a rajouté des batteries, parce qu'il faut également des compléments batteries pour pouvoir faire fonctionner le train dans des conditions optimales au niveau des performances. Et puis, on a tout l'aspect également contrôle-commande qui va permettre effectivement au train d'optimiser son mode de fonctionnement sur le réseau. Donc, tout ceci a fait qu'en 2018, on a mis en service commercial, donc ce n'était pas un prototype avec zéro passager à l'intérieur, on a deux trains qui circulent aujourd'hui en Allemagne en service commercial depuis 2018, qui ont fait plus de 100 000 km, dans des conditions de performance au moins équivalentes à ce que les exploitants avaient dans le passé.
Donc, au niveau de l'autonomie, le train qui est 100% hydrogène, hein, qui circule donc sur des réseaux complètement autonomes, donc ils ne sont pas électrifiés, le train peut faire 1000 km d'autonomie, il a une vitesse de 140 km/h et il embarque 150 passagers. Donc, on n'a pas dégradé des paramètres de performance qui sont à la fois la capacité d'emport du train, parce qu'il faut mettre des passagers, donc ça n'a pas été très facile hein, pour pouvoir trouver les bons espaces et les bons volumes dans les contraintes de masse qui sont importantes pour le ferroviaire, pour placer ces fuel cells, ces batteries, les convertisseurs, le stockage du H2 dans un environnement contraint et permettre à un train de rouler à 140 km/h dans des performances qui étaient celles connues auparavant par les opérateurs. Alors, il roule à l'hydrogène, mais pas forcément, et c'est une des questions qui est posée, pas forcément à l'hydrogène vert. Ça, après, ça ne dépend pas de vous. Donc, nous, on est complètement, j'ai envie de dire, sur le sujet agnostique. Il est clair qu'aujourd'hui, l'objectif final, la trajectoire, effectivement, qu'on s'est fixée collectivement, parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'il faut vraiment inscrire l'hydrogène dans une logique collective. On est ravis, parce que d'ailleurs, l'Europe s'est empressée de ce projet-là. Hydrogène pour lancer les grands programmes qu'on appelle les IPCEI qui permettent effectivement de construire le puzzle de l'hydrogène à l'échelle européenne. Donc, nous, à terme, bien évidemment, on sera ravis d'utiliser des sources d'hydrogène vert produites par des industriels, énergéticiens qui s'intéressent effectivement au sujet. On a commencé par des solutions d'hydrogène un peu moins vertes, hein, notamment sur le cas allemand. Mais on va se diriger de plus en plus au fur et à mesure que l'écosystème hydrogène va se déployer sur le territoire national, mais aussi au-delà du territoire national, hein, parce qu'on a des ambitions européennes, voire mondiales. On parlera après des grandes ambitions de fret, parce que le sujet du fret est un sujet important également dans le domaine des mobilités vertes. Bien évidemment que l'hydrogène vert est un constituant important dans une trajectoire vertueuse et on veut s'inscrire dans cette équation économique, parce qu'il faut que le coût du H2 vert permette évidemment de générer un système qui soit soutenable sur les plans économiques. On en reparlera effectivement dans quelques minutes du coût et de la compétitivité, mais je voudrais maintenant donner la parole à Pierre-Germain Marlier, donc 5T Hydrogène. Alors vous êtes investisseur, vous avez travaillé plusieurs années chez Air Liquide, donc vous connaissez bien le sujet de l'hydrogène, quelle que soit sa couleur, si j'ose dire. Quels sont aujourd'hui, vous avez de l'argent à investir, pas mal d'argent, quels sont les marchés que vous voyez émerger en priorité, d'après vous, quels sont ceux qui vont aller le plus vite? On en a cité quelques-uns. Vous, quel est votre point de vue sur la vitesse de développement de ces marchés et qu'est-ce qui fait qu'ils vont croître hein, dans les prochaines années? Alors, en effet, pour regarder les marchés les plus dynamiques, c'est dur de donner une idée vraiment globale du sujet. En fait, il y a vraiment une motivation qui peut être réglementaire sur certaines géographies. Si vous prenez des géographies comme la Californie ou la Corée, par exemple, où le gouvernement a vraiment partagé sa volonté d'avoir un système de transport qui fonctionne à l'hydrogène, là, vous avez les segments mobilité qui se développent de plus en plus rapidement, notamment, par exemple, avec des réglementations qui disent que d'ici 2030, par exemple, 50% des flottes publiques doivent être zéro émission. Donc, et à partir de ce moment où vous avez cette réglementation en place, vous voyez les solutions apparaître. Donc, il y a un mix, en fait, de zéro émission. Là, actuellement, il y a à peu près deux options, c'est soit les batteries, soit l'hydrogène. Donc, on se retrouve avec un mix, en fait, qui, selon le cas d'usage, va aller soit vers les batteries, soit l'hydrogène. Donc, ça, c'est pour la partie drive, on va dire, plutôt réglementaire. Après, sur la partie industrielle, les premières applications qu'on voit émerger, c'est le remplacement de l'hydrogène gris par l'hydrogène vert dans des géographies où, en fait, on a alors soit une contrainte, encore une fois, réglementaire, type RED 2 comme on a en Europe, soit un prix du CO2 qui commence à augmenter à tel point que, en fait, on parle même plus de taxe carbone. En fait, si on regarde à l'échelle des procédés industriels concernés, on peut vraiment parler de risque environnemental, c'est-à-dire que le jour où vous opérez avec de l'hydrogène gris, par exemple, et que vous avez une taxe carbone qui arrive aux alentours de 100 euros par tonne, l'impact est vraiment non négligeable sur le business case de votre molécule. Donc, en fait, la partie de déplacer une partie de cet hydrogène gris vers l'hydrogène vert, c'est à la fois quelque chose qui aide pour l'environnement, mais c'est surtout quelque chose qui aide aussi à gérer le risque financier pour ces unités-là.
Enfin, le dernier marché qui est très intéressant, et je pense que celui-là, on ne l'avait peut-être pas forcément vu venir, c'est tout ce qui est lié à la valorisation des électrons renouvelables. En fait, les sources d'électricité renouvelables les plus compétitives de la planète actuellement, il y en a beaucoup qui n'étaient pas exploitées parce qu'il n'y avait pas de réseau électrique qui était disponible pour valoriser ces électrons. Je pense par exemple à la Patagonie, au milieu de l'Australie, à des zones du Moyen-Orient. Donc on sait que c'est là qu'il y a l'électricité solaire et l'électricité éolienne la moins chère de la planète, mais on n'avait aucun intérêt à aller la produire là-bas actuellement parce qu'après il fallait la ramener où la demande se trouvait. Donc ça impliquait des investissements qui étaient important sur tout ce qui était ligne de transmission électrique. Maintenant, en fait, cette économie de l'hydrogène vert qui arrive, ça permet en fait de produire de l'électricité renouvelable, mais de s'affranchir en partie du problème du réseau. Donc, on voit de plus en plus de projets d'hydrogène vert, en fait, qui sont motivés par la valorisation d'électrons verts dans des zones où ils sont extrêmement compétitifs. Donc, on va avoir, par exemple, une ferme éolienne qui va se développer en Patagonie avec une unité d'hydrogène qui va ensuite faire de l'hydrogène vert, puis une unité d'ammoniac. Et cet ammoniac vert va ensuite être exporté sur d'autres géographies. Et après, cet ammoniac vert sera valorisé. Alors, soit en tant qu'ammoniac vert dans l'industrie ou pour faire des fertiliseurs, par exemple, des engrais, soit pour être reconverti en hydrogène vert et avoir une utilisation locale. Donc, en fait, on a vraiment, c'est là qu'on voit vraiment la versatilité en fait de cette molécule d'hydrogène. C'est qu'avec la même molécule, vous pouvez décarboner le transport, vous pouvez permettre de valoriser des électrons verts qui étaient jusqu'à maintenant inaccessibles, et vous pouvez aussi décarboner des procédés industriels. Et c'est en fait dans le mélange de ces trois activités qu'on arrive à créer de l'échelle et vraiment avoir une dynamique de développement qui est très intéressante, surtout là depuis quelques années. Et les premiers marchés, quand même, pour vous, ceux qui vont faire le développement, le premier stade du développement, c'est peut-être quand même plus l'industrie que la Je pense. mobilité? Bah, dans un monde, en fait, c'est une question de masse critique, en fait. Donc, il va y avoir, pour pouvoir justifier une infrastructure, pour pouvoir justifier, par exemple, de la production d'hydrogène dédié pour le transport, il va quand même falloir qu'il y ait beaucoup de véhicules qui soient sur la route. Après, c'est pas indécent. Dès qu'on commence à avoir des flottes on va dire, d'une centaine de camions, par exemple, on commence à avoir des volumes qui sont pertinents pour une source de production dédiée. Mais la question, c'est qu'on peut difficilement passer de 0 à 100 ou de 0 à 1000 véhicules comme ça en 24 heures. Et quand les premiers véhicules vont arriver, il faut des sources d'hydrogène et il faut des sources d'hydrogène qui vont être propres. Donc c'est pour ça qu'en effet, je pense que les marchés qui se développeront en premier, ce sera l'industrie. Et j'espère que ce sera fait conjointement avec tous les développements qui se font dans la mobilité pour qu'en fait, les investissements faits pour l'industrie soient surdimensionnés pour intégrer justement la demande pour la mobilité et accompagner sa montée en puissance jusqu'à ce que les volumes pour la mobilité puissent justifier des investissements indépendants juste par eux-mêmes. Très bien. Alors effectivement, on a déjà commencé à parler de la compétitivité, qui est un des enjeux de l'hydrogène vert, qui n'est pas encore aujourd'hui compétitif. Alors, Michaël Salomon, je vais vous donner la parole pour aborder donc cette partie sur la compétitivité. Avant de parler de compétitivité, on peut peut-être rappeler déjà les grandes composantes du prix de l'hydrogène vert. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment les grands éléments qui composent ce prix et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser et pour réduire le coût pour élargir les marchés? Alors, si je vais parler du coût, parce que dans le prix, tout un chacun est tout à fait autorisé à ajouter sa marge. Je ne suis pas du tout là pour commenter ça. Donc, si on regarde en fait, si on regarde le coût de fabriquer 1 kg d'hydrogène, et surtout si on le regarde, on va dire l'année dernière, ou en tout cas avant le printemps dernier, on est à peu près sur la moitié qui sont liées, enfin un quart à peu près, alors je parle du coût sur toute la vie hein, d'un projet hydrogène, en supposant qu'un électrolyseur dure, bref, un certain temps. Et si je regarde tout en valeur actualisée, à peu près un quart du prix, c'est environ le CAPEX, un autre quart, c'est environ les OPEX liés au changement, au renouvellement, etc. Et l'autre moitié, la deuxième moitié, c'est lié au prix de l'électricité, puisque l'électricité, il faut bien l'acheter. Et donc, dans cette électricité-là, vous avez à peu près, donc sur les 50%, si vous voulez, qui représentent la proportion liée au prix d'électricité, il y en a peut-être 15% qui doivent être les frais de réseau et 35% qui sont vraiment payés l'achat.
génération d'électricité. Alors, pourquoi est-ce que je suis un peu... je tourne un petit peu autour du pot. Pourquoi je dis, oui, mais bon, ça, c'était vrai il y a 6 mois, c'était vrai l'année dernière, c'est peut-être vrai dans 3 ans. Bon, bah, il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, les prix d'électricité ont une fâcheuse tendance à augmenter. Mais ça, je vais peut-être commenter là-dessus après. Donc là, en fait, ce que je viens de donner, en gros, ce que j'ai dit, c'est il y a à peu près 50% du prix qui est lié au 50% du coût d'hydrogène qui est lié au prix de l'électricité et plus précisément 35% qui est lié vraiment au coût de la génération. Mais en fait, lorsque je dis ça, je parle d'un prix d'électricité net. Et donc nous, alors juste pour dire un petit peu la petite décalage que je vais faire. Donc sur cette proportion qui est assez simple à comprendre, en fait, on peut jouer. On peut jouer parce que, évidemment, là, j'ai juste dit, bon, bah, écoutez, j'ai regardé le prix moyen d'électricité sur les marchés de gros et j'ai pris ça comme hypothèse et j'ai fait un business plan en quelques minutes et j'ai trouvé cette proportion. Maintenant, nous, en tant que bureau d'études techniques, on travaille beaucoup, depuis 12 ans maintenant, sur les sujets stockage. Donc, tout ce qui est la valorisation de la flexibilité électrique, j'entends. Nous, on connaît un peu par cœur. Et dans le paradigme que j'évoque, avec ce coût d'hydrogène décomposé comme je l'ai évoqué, bien sûr, je parle, comme vous l'avez compris, d'un hydrogène qui est vert, donc en tout cas qui est connecté au réseau électrique. En tout cas, peu importe, en tout cas, un hydrogène qui est de l'électrohydrogène. Donc, l'appareil qui permet de fabriquer cet hydrogène s'appelle un électrolyseur, et cet électrolyseur, il est très flexible. On peut, si notre client acheteur d'hydrogène accepte peut-être des petites variations dans la production horaire au quotidien d'hydrogène, on peut être très flexible, on peut très facilement baisser sa production lorsqu'il y a une opportunité de marché pour vendre cette capacité de baisse de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans l'hydrogène depuis peut-être 10 ans. Nous, ça doit faire 10 ans qu'on regarde ce type de choses. Il y a eu ces toutes dernières années des évolutions dans le marché de la flexibilité électrique. Donc, vous voyez, là, on parle d'hydrogène, mais là, je suis en train de parler d'une évolution d'un marché très, très connexe qui a un impact non négligeable sur nous. Donc, pour faire simple, les réseaux électriques européens tâchent de laisser le plus possible de place à la flexibilité, en gros, pour avoir une tendance de fond à baisser les prix, le prix d'électricité. Et là où ça devient très intéressant pour nous, c'est qu'à très moindre effort, en tout cas jusqu'il y a 6 mois, on était capable de baisser d'environ 10% le prix global d'hydrogène en étant capable de valoriser cette flexibilité-là. Alors, je ne sais pas, Patricia, si vous voulez qu'on montre, j'avais préparé... Je vais montrer rapidement une slide rapidement pour effectivement voir comment vous le valorisez en rendant des services au réseau. Alors, peut-être on peut mettre la prochaine, parce que celle-ci, justement, je vais la garder pour après. Voilà. Hop, voilà. Donc, en gros, alors, vous voyez, c'est ce que j'ai évoqué, là, les proportions. J'ai parlé en pourcentage tout à l'heure pour que ce soit très générique. Donc là, on a pris un exemple sur un électrolyseur qu'on change au bout de 10 ans. Bon, voilà, on a fait une vingtaine de slides là, pour cette alors, on ne va pas les passer. On va passer maintenant. Pas... Elles seront dans le compte rendu. En libre-service, voilà, après. Donc, voilà. C'est juste pour vous expliquer. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai mis un petit machin en vert là où je dis, bon, donc tout ça, j'ai tout traduit en euros du kilogramme d'hydrogène pour éviter les unités auxquelles personne ne comprend rien. Et donc, du coup, vous voyez, avec mes hypothèses de base sur un prix de l'an dernier, j'ai un hydrogène avec un coût de fabrication à 6,45 € et avec un effort très, très moindre, je récupère 50 centimes, à peu près 7% du prix. Et donc, quel est cet effort très moindre? C'est quoi ce sigle étrange là, que j'évoque qui s'appelle AFRR? Ben, ça, c'est ce dont je parlais il y a une minute, à savoir c'est le fruit d'une évolution sur les marchés de flexibilité électrique qui, en gros, tendent à harmoniser ce qu'avant on appelait la réserve secondaire sur tous les pays européens en lui donnant un nouveau nom qui s'appelle la Automatic Frequency Restoration Reserve, d'où l'acronyme étrange que vous voyez ici. L'objet ici étant de dire, écoutez, si un acteur est capable d'augmenter sa production ou de la baisser, on le paye. Alors nous, ça nous intéresse énormément parce que nous, un électrolyseur, on n'est pas des producteurs, mais on est un consommateur. Donc lorsqu'on a un électrolyseur qui, comme dans mon exemple, fonctionne au taquet à peu près tout le temps, on offre la possibilité de baisser cette production-là et donc de baisser cette consommation. Et baisser la consommation pour le réseau électrique, c'est l'équivalent d'augmenter la production, et ça, le réseau électrique le valorise cher. Et donc, ce que j'évoque ici, c'est
dire en gros, bah, écoutez, je branche mon électrolyseur toute l'année, j'offre la possibilité de baisser ma consommation et je ne valorise même pas le fait que de temps en temps, je vais effectivement baisser ma consommation. Et du coup, je ne valorise même pas le fait que de temps en temps, je vais être payé pour les mégawattheures que je ne consomme pas. Non, là, les 50 centimes gratuits quelque part que j'obtiens, c'est juste de louer au réseau le fait que je serai en mesure peut-être de baisser ma consommation. Donc, en fait, l'économie nette sur le coût de production d'hydrogène en prenant en compte uniquement ce service au réseau est certainement plus important, puisque là, j'ai fait une simulation hyper simple. Comme j'évoquais, je n'ai pas tenu compte du fait qu'on se faisait payer pour l'énergie qu'on ne consommait pas. Vous voyez, il y a deux sujets. Il y a un sujet de capacité disponible et un sujet d'énergie effectivement pas consommée. Et donc, du coup, nous, quand on regarde, en tant que conseil technique, hein, le mot bien gaulois consacré, c'est « technical advisor ». Donc, une des choses qu'on regarde, en effet, c'est principalement comment est-ce que, soit je peux optimiser le coût de production d'hydrogène pour le projet en question, soit ce qui est le problème exactement corollaire, c'est comment est-ce que je peux finalement optimiser le dimensionnement, en tout cas de la partie électrolyseur de mon projet hydrogène, de façon à aller récupérer ces sous-là et baisser de manière non négligeable le coût de production de la commodité. Alors, oui. Alors on peut peut-être demander, sauf si on voulait montrer rapidement, pour demander une réaction peut-être à Modo-G notamment. Je vous propose 7% de réduction, voilà, comme ça, voilà. Sans négociation. Alors, voilà, le deal commence. Donc, Modo-G, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer? Parce qu'effectivement, comment réduire ce coût effectivement de l'hydrogène? La solution de jouer sur les services au réseau, apporter de la flexibilité au réseau, ça, c'est une piste que vous explorez? Alors, oui, c'est une piste qu'on explore pour les projets, notamment les gros projets industriels, c'est-à-dire sur les projets qu'on dédie à des industries, même si, comme le disait Pierre Germain tout à l'heure, les projets industriels, même s'ils sont dédiés à un industriel, on les sursize toujours un petit peu pour pouvoir alimenter la mobilité à côté. Après, nous, on a deux développements, le développement pour les industriels ou pour lesquels on est obligé de faire des productions dédiées, et puis la production d'hydrogène renouvelable en connexion directe aux électrolyseurs. Bouin en Vendée, notre premier site opérationnel, est sur ce modèle-là, et surtout, en fait, nous, on développe des projets à l'offshore de production d'hydrogène renouvelable massif sur des champs éoliens offshore qui ne seront pas raccordés au réseau, puisque l'idée, c'est vraiment de s'affranchir du coût de raccordement au réseau. Donc là, pour le coup, on trouve des économies autrement en s'affranchissant de ce raccordement au réseau. Mais par contre, ce que décrit Mickaël est tout à fait intéressant, en effet, pour les gros sites industriels, puisque si on veut de toute façon décarboner massivement nos industries, aujourd'hui, l'hydrogène est un vrai outil pour ça. Et alors, vous, pour effectivement, il y a cette solution effectivement évoquée par Mickaël Salomon. Sinon, vous, pour baisser les coûts, l'idée, c'est quoi? Il va falloir aller vite. C'est une question de dimensionnement, effectivement, des installations, des marchés. C'est ce qui permettra d'avoir un hydrogène vert compétitif. Comment vous voyez les choses? Et aller aussi tout de suite, c'était une question qui nous a été posée, aller tout de suite à l'international. Il faut être tout de suite sur du très gros, d'où les levées de fonds un peu spectaculaires que l'on voit sur ce marché de l'hydrogène vert. Alors, aller tout de suite à l'international, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste qu'il y a des pays qui avancent beaucoup plus vite que la France. Donc, si on veut, nous, l'idée, c'est de faire ça pour la planète avant toute chose. Donc, si l'Allemagne avance plus vite, si le Danemark avance plus vite, eh bien, on va faire nos premiers projets en Allemagne ou au Danemark. Après, si la France accélère, et on va voir si ça accélère vraiment, on sera au rendez-vous en France. Mais par exemple, si on parle de production massive d'hydrogène renouvelable à l'offshore, aujourd'hui, ce n'est pas possible en France. C'est déjà tellement compliqué de sortir des parcs éoliens offshore en France que forcément, les premiers projets sortiront en mer du Nord. Et après, aller vite pour la planète, parce que c'est possible techniquement, et parce que
Vous avez évoqué plusieurs fois le fait que l'hydrogène renouvelable ne soit pas compétitif. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a plein de choses qui existent pour rendre cet hydrogène renouvelable compétitif. Michael en a évoqué certains sujets. La taille des infrastructures en est une autre, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut décorréler. En fait, quand on parle de compétitivité pour les industriels, on ne parle pas du tout de la même compétitivité pour une collectivité, par exemple. Bien aujourd'hui, sûr. Quand on utilise l'hydrogène comme carburant pour la mobilité, on cherche une parité essence ou diesel. On ne cherche pas un coût à 3 euros du kilo. Et les gaziers qui produisent de l'hydrogène gris sur des sites très centralisés et qui livrent à 700 km de leur site, ne livrent pas à 3 euros du kilo. Donc, l'hydrogène renouvelable peut être compétitif quand il est produit localement pour la mobilité. Il l'est aujourd'hui, on peut donner l'exemple. Il l'est aujourd'hui, et le projet qu'on a au Danemark pour l'industrie est aujourd'hui aussi compétitif par rapport à l'hydrogène gris. Donc, on peut produire de l'ammoniac ou du biométhane de manière compétitive avec de l'hydrogène propre, mais voilà, il faut aller chercher de la taille. Et en effet, j'ai vu dans les questions tout à l'heure, on évoquait le transport de cet hydrogène. Oui. Quand il est transformé directement en ammoniac, par exemple, comme le disait Pierre Germain tout à l'heure, et qu'on transporte derrière l'ammoniac sous forme liquide, alors là, ça devient tout à fait intéressant, même écologiquement parlant, bien sûr. C'était une question, effectivement, est-ce que c'est écologiquement intéressant? Et donc, Pierre-Germain, Marlie, on va revenir vers vous. L'hydrogène produit en offshore, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de transporter de l'hydrogène que de l'électricité. Facile, plus facile et moins cher. Donc, dans tous les cas, on a un intérêt à faire ça. Alors, cette question du coût, et Pierre-Germain Marlier, effectivement, vous, quelles sont vos anticipations? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que sur certains marchés, on arrive à la compétitivité, comme le dit Maud Auget? Et quelles sont vos anticipations sur un croisement des courbes entre l'hydrogène gris, l'hydrogène vert? Alors, on a bien compris que ça dépendait des marchés, ça dépend de chaque situation est différente, mais pour quand même donner quelques indications, quelques exemples concrets, comment vous voyez l'évolution des choses? Et alors, déjà, donc, y a pas mal d'études qui ont été faites, alors que ce soit, pour en citer quelques-unes, soit vous regardez Bloomberg, soit vous regardez ce qui a été fait dans le Conseil de l'hydrogène. On ne sait pas vraiment combien ça va être, mais tout le monde anticipe à peu près que d'ici 2030, les courbes devraient se croiser, qu'on devrait avoir un coût de l'hydrogène vert qui va être comparable en fait à ce que vous avez actuellement avec de l'hydrogène gris si vous rajoutez le prix du CO2. C'est comme ça que… Donc à peu près combien ? 3 euros, 3 euros d'ici 2030, c'est à peu près ce qu'on voit dans les estimés. Maintenant, si on se recule par rapport à ça, et qu'on regarde vraiment… attendez, excusez-moi, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a une urgence devant ma porte. Je suis vraiment… Ah. Bon, alors, pendant que Pierre-Germain Marlier va régler le problème, je vais donner la parole peut-être à Stéphane Cabat sur la question de la compétitivité. La question a été posée par le chat par rapport aux solutions, notamment bio-GNV. Quelles sont les perspectives pour les flottes, alors c'était camion, bus, ferroviaire, la compétitivité par rapport au bio-GNV. Pierre-Germain, on revient vers vous dans 2 minutes. Il y avait les pompiers devant ma porte, excusez-moi. Ah. C'était pour moi. C'est pas un problème de gaz, j'espère. Non, mais j'étais obligé d'aller voir. Donc, excusez-moi pour ça, vraiment désolé. Alors, oui, du coup, Stéphane Cabat, sur la compétitivité, puisque vous disiez, nous, ce n'est pas forcément de l'hydrogène vert, même si in fine, c'est l'objectif. Aujourd'hui, le différentiel, il est encore important? Oui, on a un différentiel, effectivement, qui est important. Donc, on croit très fortement, justement, à la mobilisation qui se met en place aujourd'hui par les différentes instances. La puissance publique a un rôle absolument essentiel. Hein. Donc, on est parfaitement heureux de savoir que l'Europe, au travers de ces grands programmes structurels que sont les IPCEI, a décidé effectivement de coordonner les actions au travers des différents États membres qui s'intéressent au sujet hydrogène pour pouvoir construire un écosystème qui soit performant, compétitif, avec une, par conséquent une diminution du prix du H2 et qui soit le plus vert possible, bien évidemment. Donc, ça, c'est un sujet important. Donc, nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est agnostique hein, sur le choix, effectivement, de l'hydrogène, parce que nos trains fonctionnent avec
quel que soit en fait le type d'hydrogène produit, qu'il soit jaune, rose, vert ou bleu ou gris, le train pourra toujours rouler. Donc ça, c'est un sujet effectivement qui est absolument essentiel. Maintenant, par rapport à votre question sur le GNL ou d'autres solutions qui pourraient effectivement être évoquées dans les cas d'usage pour les mobilités lourdes, nous, on considère aujourd'hui, côté Alstom, que la solution hydrogène, elle est produite, donc hydrogène vert, bien évidemment, est la solution la plus vertueuse sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'on n'a pas de CO2, on n'a pas de NOx et on n'a pas de particules fines. Dès qu'on peut envisager, enfin, dès qu'on envisage des solutions alternatives du type GNL, là, on change de paradigme parce que vous avez, en fait, alors peut-être moins de CO2, mais vous aurez du NOx, vous aurez des particules fines. Donc, on n'est pas parfaitement vertueux. Donc, ça peut constituer des solutions qui sont intermédiaires dans la trajectoire du verdissement des mobilités lourdes sur le territoire national. Mais ce n'est pas un objectif, en tout cas pour nous, Alstom, ça n'est pas un objectif complètement final pour développer une solution vertueuse et propre pour l'environnement. D'accord. Alors, on va redonner la parole à Pierre-Germain Marlier sur le coût et les courbes qui devraient se croiser. Vous avez dit donc d'ici à 2030 entre hydrogène gris, hydrogène vert. On pense que d'ici 2030, ça va se croiser. Et en fait, si on regarde un peu les trois piliers qui construisent le prix de l'hydrogène vert, vous avez un coût du capital pour l'électrolyse, vous avez le coût des électrons. Et puis après, il y a quel prix on met sur le CO2 pour en fait réduire le gap qu'il y a entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert. Donc, d'ici 2030, qu'est-ce qui doit se passer ? Bah, faut qu'on joue sur ces trois leviers au final. Comme le disait Maud, un moyen de réduire les prix de l'électricité, ça peut être sur certaines géographies de s'affranchir du réseau, d'aller chercher directement l'électricité à la source ou d'aller dans des zones géographiques où on a de l'électricité verte, bien entendu, qui est extrêmement compétitive, que ce soit en éolien offshore, que ce soit onshore dans des zones éloignées ou dans des zones où on a de l'ensoleillement 12 heures par jour qui marche très bien. Donc sur cette composante-là, c'est vraiment lié en fait à la typologie d'électricité qu'on va aller chercher et comment on va la chercher. Après, sur la partie CO2, ça pareil, je laisse à chacun regarder les études et prendre un chiffre avec lequel il est confortable, mais je pense qu'il y a consensus pour dire que d'ici 2030, le prix du CO2 devrait augmenter. On parle d'un prix du CO2 qui devrait être entre 80 et 100 euros la tonne d'ici là, selon les analyses qu'on regarde, mais on voit qu'il y a à peu près un consensus dans ces eaux-là. Et enfin, le dernier composant que vous avez, c'est sur le coût du capital de l'électrolyse. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'actuellement, le prix de l'hydrogène qu'on voit et les prix des électrolyseurs qu'on voit ne reflètent pas encore le prix des électrolyseurs qu'on va produire à très grande échelle sur toutes les gigafactories qui sont en train d'être développées en Europe. Jusqu'à maintenant, des électrolyseurs, c'était utilisé sur certaines applications un peu précises en fait, de la chimie, mais ce n'était pas fait pour en déployer 50 gigawatts par an. Les unités qui fabriquent ces électrolyseurs, elles n'étaient pas faites pour faire de la production à grande échelle comme on en a besoin aujourd'hui. Et par contre, actuellement, si vous regardez, il y en a en Angleterre, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis. Il y a toutes les géographies qui sont en train de s'équiper de gigafactories en fait, qui vont pouvoir fabriquer des électrolyseurs à grande échelle pour justement réduire le poids du capital sur le cost of ownership en fait, de l'hydrogène vert à la sortie. Et si on combine en fait, les efforts qui sont faits sur ces trois leviers, on voit que d'arriver au prix de l'hydrogène gris avec de l'hydrogène vert, en fait, c'est loin d'être de la folie. Et il y a même certaines géographies d'ailleurs où on pense que ce sera moins cher de faire de l'hydrogène vert que de faire de l'hydrogène gris. Michael ? Alors, ouais, je voulais. Donc, nous, on est beaucoup plus. Ce que vient de dire Pierre-Germain, Maud et Stéphane, évidemment, c'est dans le sens de l'histoire. Mais alors, nous, on est beaucoup plus. C'est un peu le rôle qu'on joue, est beaucoup plus pragmatique et terre à terre. Donc, vous voyez, moi, j'ai commencé timidement avec mes 7% d'économie. Bon, en fait, je voulais juste donner peut-être un ordre de grandeur parce que j'ai vu une question dans le Q&A là et du coup, j'y ai répondu, mais je ne sais pas si les gens l'ont vu. La question, c'était OK, super, très bien votre analyse là, mais vous avez pris quoi comme prix d'électricité dans votre analyse 2020 ? En fait, j'ai regardé ce que j'avais oublié. Donc, on a pris la moyenne des prix 2020 sur le marché de l'électricité qui était 39 euros du mégawatt-heure. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus cher. Alors, d'ailleurs, quand on a fait nos slides, alors vous allez voir,
où je veux en venir. Je veux dire deux choses. Premièrement, que je peux faire économiser beaucoup d'énergie, mais que deuxièmement, c'est plus compliqué que, bon, beaucoup d'argent, mais que c'est plus compliqué que ça. Première chose que je dis, c'est quand mon équipe a fait ces slides, ils sont trois, là, ils sont très consciencieux, on avait ces slides le 3 novembre. Exactement, ils l'ont fait à 21h parce que c'était un petit peu tard. Et d'ailleurs, c'est dans les présentations que vous aurez après, ou si tu veux le monter, Patricia, c'est on peut montrer la slide éventuellement. Oui, voilà. Donc, du coup, à l'heure où ils ont fait ces slides-là, l'électricité en France, dans le contexte actuel, elle valait 180 euros du mégawatt-heure. Voilà. Cependant, à la même heure, au même moment, sur le marché donc, de AFRR, qui s'appelle AFRR Down, la capacité de baisser sa production, ben là, on était payé, c'était 184 euros du mégawatt-heure. Mais là, pendant cette même heure, on était payé 144 euros. Non pas par mégawatt-heure, mais par mégawatt par heure, ce qui veut dire le réseau nous payait 144 euros si on lui prêtait un mégawatt pendant une heure. Bon bah donc du coup, mon coût net d'électricité pendant cette heure, c'était 40 euros. À savoir, avec ces petites astuces, c'est là où je suis essayé d'en venir, c'est que je peux me retrouver dans l'état où j'étais il y a un an, en fait, dans les prix moyens de l'an dernier. Donc ce que je dis n'est vraiment pas négligeable. Même si 7%, bon, ça paraît pas ambitieux. Tout ça, c'était très bien, mais comme les gens de chez moi, ils sont très consciencieux, ils ont fait ça 2 semaines avant, et ils ne savaient pas, parce que personne ne le savait, que hier, la Commission de régulation de l'énergie allait envoyer un petit courrier à tout le monde, enfin à tous les acteurs, en disant, bon, ce nouveau marché AFRR, il s'est ouvert à la concurrence, voilà, avant, ce même service était payé un prix fixe, en fait, par le réseau, un prix fixe qui, si je ne dis pas de bêtises, était de 18 euros du mégawatt de l'heure. C'était un prix fixe, c'était un décret, en fait. Et donc, du coup, je répète ce que dit mon équipe, mais j'aime bien l'image. Les gens de chez moi ont dit, à mon avis, quelqu'un à la Commission de régulation de l'énergie a peut-être eu peur de l'article du canard enchaîné. Difficile d'expliquer comment, quand j'ouvre à la concurrence, je multiplie le prix par 8. D'accord. Donc, du coup, qu'a fait la CRE ? Elle a dit, bah, en fait, là, pour l'instant, on va arrêter cette histoire de marché libre. Là, c'est une catastrophe. On reverra en juillet. Mais juillet, c'est dans longtemps quand même. Donc, vous voyez, d'un certain côté, première chose, je vous dis, bah, ce que je dis, c'est formidable. Oui, 7%, mais regardez, ça veut dire que je peux effacer, sans le chèque énergie, sans Bruno Le Maire et compagnie, je peux effacer le prix de l'énergie d'aujourd'hui. C'est très important pour nos projets. Tant mieux, ça c'est le côté brillant de la médaille. Bon, bah, le côté qui brille un peu moins, c'est qu'il y a encore un petit peu d'incertitude réglementaire sur ces sujets. Donc oui, pour augmenter la compétitivité des hydrogènes, je pense vraiment que pour les projets qui sont connectés au réseau, il y a effectivement un sujet vraiment d'aller chercher ces valeurs de la flexibilité. Je pense, Patricia, qu'on parlera des risques après. En tout cas, il y a certains risques sur l'hydrogène, voilà, mais il y a même sur les petites astuces d'approvisionnement d'électricité, même là-dessus, il y a encore il y a encore des incertitudes, on est sur des marchés effectivement mouvants, voilà. Et une réglementation qui n'est pas complètement stabilisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Une question quand même sur cette compétitivité. Quelqu'un nous dit, on voit de plus en plus que l'H2, la compétitivité se trouve plus dans un usage direct que dans le stockage d'électricité. Est-ce que vous confirmez? Moi, ça, je peux répondre parce que je vais donner un élément de réponse qui va plaire à personne. Donc après, c'est pas grave, je me ferai contredire, il n'y a pas de problème. Tel qu'est posée la question, on parle de stockage d'électricité, donc j'imagine qu'on veut refaire de l'ELEC après, ce qui, grosso modo, est plutôt une mauvaise idée. Voilà. Sauf si on l'a fait dans un train, comme avec Stéphane, ou dans un véhicule mobile qui a évidemment... Bah, là, ce qu'on paye, ce n'est pas un électron, c'est un électron au bon moment, au bon endroit, le bon endroit étant un endroit qui bouge. Donc là, d'accord, ça a une très forte valeur. Mais si je vais faire de l'hydrogène, le stocker quelques semaines, enfin quelques années, je ne sais pas, et mettre une pile à combustible pour sortir de l'hydrogène, en général, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je précise. Pourquoi ? Parce que l'actif, la chose qui permet de refaire de l'ELEC, souvent, c'est une pile à combustible. Il y a d'autres moyens, mais c'est voilà. Donc, ça, c'est cher. Et donc, nous, quand on fait des calculs, on se rend compte que pour que ce moyen de stockage devienne le plus compétitif parmi les autres moyens de stockage, les autres moyens étant surtout des batteries, il faut qu'on soit en train de discuter, alors ça dépend des pays, etc., mais en gros, des derniers 10% du passage de 90% à 100% de renouvelables sur la géographie donnée. Alors, c'est peut-être 85 à 100, peut-être 95 à 100. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, l'idée, c'est que
il faut, enfin bon, bref, il faut quelque part être capable d'amortir ce capex-là. Et en gros, lorsque je suis à moins, une proportion moindre de renouvelables, ben en fait, j'ai des moyens moins chers en fait, de capter l'ELEC et de la ressortir plus tard au moment où j'en ai besoin. Mmh. Mais bon, après, je veux bien te contredire. Allez-y. Je ne vais pas vous contredire, parce que je suis plutôt d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce que dit RTE. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de stockage de ces énergies renouvelables, finalement. Donc, autant les... En fait, l'idée, c'est vraiment d'adresser le mix énergétique qui est largement fossile aujourd'hui et d'appliquer, on va dire, le pansement là où il faut. Donc, il faudra du smart grid, il faudra de l'hydrogène, il faudra des batteries, il faudra du biogaz, mais il faut juste les mettre au bon endroit dans le mix énergétique. Et juste pour compléter la réponse, parce qu'on nous pose très souvent la question de est-ce qu'on peut faire de l'hydrogène avec du photovoltaïque ? La réponse est oui. Maintenant, mettre un électrolyseur en connexion directe avec du photovoltaïque juste, c'est-à-dire sans complément, par exemple, d'éolien ou d'autres, c'est très compliqué, justement, d'amortir le CAPEX, c'est ce que vient de dire Mickaël, parce qu'en fait, par essence, le photovoltaïque, déjà, la moitié du temps, il fait nuit, il ne fonctionne pas. Donc, en fait, amortir un outil industriel de production, déjà, moins de la moitié du temps, ça, c'est quand même très compliqué. Et donc, si on veut vraiment que cet hydrogène il devienne rapidement compétitif pour tous les usages industriels et mobilité, parce qu'on aura vraiment besoin de l'hydrogène pour décarboner la mobilité lourde, on a parlé du train tout à l'heure, mais le bio-GNV, il y a aussi beaucoup de camions aujourd'hui qui roulent au bio-GNV, de plus en plus. Le bio-GNV, enfin, un camion au bio-GNV, il continue à émettre des NOx et des SOx. Donc, si on veut vraiment décarboner ce transport lourd, ça passera par l'hydrogène. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à le rendre compétitif. Il faut le faire correctement. Alors, on avait une question effectivement sur les risques techniques dans les business models à couvrir. Est-ce qu'il y a des risques liés, est-ce que ce sont plutôt des risques liés à la sécurité, au rendement, au dimensionnement? Quel type de risque? C'est peut-être d'abord une question pour Pierre-Germain Marlier. Quel type de risque vous intégrez quand vous faites vos business models? Quels sont-ils? Alors, donc déjà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'hydrogène, il faut bien garder en tête que l'hydrogène, ce n'est pas une nouvelle molécule. On a utilisé de l'hydrogène dans la chimie et dans le raffinage depuis plus d'un siècle. Là, ce qui est nouveau, c'est de l'utiliser, ce sont les nouvelles applications. Donc, on va voir qu'il y a certains de ces risques, notamment sur l'aspect sécurité, qui ne sont pas forcément liés à la molécule d'hydrogène. En fait, le risque d'hydrogène dans une voiture, quand vous le compressez à 700 bars, il est autant lié au fait qu'il est compressé à 700 bars qu'au fait que ce soit de l'hydrogène. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui fait l'objet de groupes d'études et qui sont revus avec des standards de sécurité, des standards de design, des standards de matériaux. Donc, qui vont faire partie du business de demain, au même titre qu'on a ces standards pour un réservoir diesel, qu'on a des standards pour le stockage de carburant, maintenant on va avoir des standards pour le stockage et le transport de l'hydrogène. Donc, on considère évidemment que c'est un sujet qui est extrêmement important, mais c'est un sujet pour le coup actuellement où on trouve que les industriels avec qui on travaille font un excellent boulot pour le manager, parce qu'en fait, en discutant avec eux, c'est pas si différent que de manager d'autres types d'énergie qui aussi peuvent être dangereux sous pression, etc. Après, au niveau du rendement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un risque au niveau rendement si je remets ma casquette de financier au niveau business model? Pour moi, le risque, c'est que le rendement soit différent que ce qu'il a été annoncé. Après, est-ce qu'on peut vraiment avoir un risque de rendement? Quand on parle avec des fournisseurs d'électrolyseurs, comme tout équipement industriel, on a des garanties de performance avec des systèmes qui nous permettent de savoir en fait combien on va consommer pour une production donnée. Sur la partie rendement, pour rejoindre le point de Maud, la partie intégrée, c'est plus une histoire d'arriver à amortir le capital de ces investissements. Parce que dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir connecter un électrolyseur directement à une source solaire sans passer par le réseau, sauf qu'on parle de taux de charge de 20%, quoi, hein, dans ce cas-là, hein. Donc, faut qu'à la fin, on ait quand même quelque chose qui tourne. Et après, au niveau de dimensionnement, alors pour moi, cette partie, elle est très importante, c'est que dans le développement des projets comme ça, dans les nouvelles technologies, on essaye toujours de se protéger au cas où le projet ne marche pas, mais on anticipe rarement en fait le cas où ça va marcher. C'est-à-dire que
On préfère se dire, bon, bah, demain, je veux faire une flotte de bus à hydrogène pour une municipalité. Tout le monde se dit, ah, on va pas faire ça trop gros, on va faire une unité voilà, qui va faire 3-4 bus, et puis si ça marche, on verra pour faire plus gros. Et puis comme ça, si ça marche pas, on n'a pas trop mis de capital. Mais en fait, pour moi, le risque, il est vraiment là. Il est vraiment dans cette approche. C'est de faire quelque chose qui ne peut pas être mis à l'échelle. C'est tant qu'à prendre le risque d'investir là-dedans, nous, notre approche, c'est pour ça qu'on essaye de lever des gros montants. On essaye de mettre des tickets minimums qui vont être aux alentours de 10-15 millions d'euros par projet, parce qu'on veut être sûr que les projets ne sont pas trop petits et que vu qu'on croit en ce marché, quand la demande va se matérialiser et augmenter, on veut que les actifs dans lesquels on investit puissent être mis à l'échelle. Parce que si on doit tout reconstruire par-dessus, au final, ça ne marche pas. Et en construisant trop petit, c'est pareil. On n'a pas une idée du business case qui est pertinente par rapport à ce que ça pourrait être à grande échelle. Donc pour moi, le risque du dimensionnement, en fait, on disait souvent aux développeurs de projets qu'on voit, on préfère avoir un projet avec une flotte de 50 bus plutôt que 10 projets avec une flotte de 5 bus. Si on veut avoir vraiment une idée du business case et des performances et de la compétitivité de la molécule, pour moi, c'est important d'agir de manière concentrée et dense pour charger les actifs. Il y avait une question pour vous justement sur cette question des investissements, une question sur le TRI qu'on pouvait espérer pour l'hydrogène vert, voilà, brut de décoffrage d'ici à 5 ans. Et après, les TRI sur l'hydrogène vert, c'est pareil. Là, actuellement, on n'est pas sur un modèle où on a un tarif de rachat, en fait. Donc, je pourrais vous. C'est pour la production d'électricité renouvelable, par exemple, il y a des TRI un petit peu benchmark qui existent parce qu'on connaît les tarifs de rachat, on sait le prix de l'actif. Bon, on arrive. Mais là, actuellement, l'hydrogène, pour l'instant, il est vendu. Enfin. Avec un contrat long terme avec un industriel. Donc, il y aura des gens qui arriveront à avoir 5% de TRI, d'autres qui seront à 12, d'autres qui seront à plus. Faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeur, à qui il est vendu. Et puis, est-ce que, par exemple, on parlait de l'ammoniac tout à l'heure, est-ce que vous vendez de l'hydrogène, est-ce que vous vendez de l'ammoniac? L'ammoniac, est-ce que vous le vendez au port ou est-ce que vous le vendrez livré à destination? Et vous avez des prix de marché qui sont différents à chacun de ces poids-là. Donc, on n'a pas encore un marché qui est établi, qui permet d'établir un TRI standard sur chaque typologie de projet, on va dire. Et peut-être, est-ce que je peux me permettre de poser une question, Bien Patricia? Parce sûr. que du coup, à mon avis, enfin, j'imagine la question qu'avait la personne là en tête, c'était en gros, j'imagine, c'est est-ce que je peux financer, quoi? Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est de l'equity ou vous arrivez à trouver, Ah, enfin, le à passer ratio par la dette dette? equity, effectivement, est-ce qu'il y a des banques qui suivent? Oui. On arrive à lever de la dette long terme. Alors, on a de la dette publique parce qu'on a des programmes de subvention qui sont, enfin, de subvention, des programmes d'aide qui sont en place sur plusieurs géographies qui ont identifié l'hydrogène comme une composante stratégique de leur stratégie pour la transition énergétique. Et de la dette long terme privée, on y arrive, mais souvent, c'est quand même lié au fait que derrière, on a une demande ferme pour le produit. Donc, soit, mais c'est pas, en fait, ça pas, c'est Ça existe. Il y a des applications où ça existe. Alors, il y a des fois, c'est des revenus assurés par la partie réglementaire où vous allez avoir des systèmes de subventions qui ne vont pas vous subventionner le kilogramme d'hydrogène produit, mais qui va vous subventionner, par exemple, la capacité de refueling de vos stations hydrogène pour en fait vous assurer que si les véhicules ne sont pas encore là, vous percevez quand même des revenus qui justifient le développement de l'infrastructure. Donc, il y a des géographies où il y a ça. Sur ces géographies-là, on peut aller chercher de la dette. De même sur des unités de production, donc vraiment en amont. En fait, en bas, si vous parlez à des raffineurs, à des aciéristes, à des gens qui font de la chimie, ils sont quand même prêts, ils se rendent bien compte qu'on parle d'investissement de plusieurs dizaines, voire centaines de millions. Enfin, vous pouvez demander à Maud, à mon avis, sur le projet que vous avez au Danemark. Je pense que de l'autre côté, vous avez un client industriel qui s'engage voilà, sur 10 ans avec des volumes, enfin, avec un engagement minimal sur les quantités produites qui devrait vous permettre normalement d'aller chercher de la dette. Alors, je dis peut-être pas 80%, bien sûr, mais normalement, une fois qu'on a un engagement sur les quantités par un off-taker solide, quoi, on arrive à aller chercher de la dette actuellement. Autour de 50% aujourd'hui, peut-être. Ça dépend, Ça dépend. des projets, ça dépend de l'off-taker, ça Bien dépend sûr, de, la voilà. qualité de la Et ça contrepartie. dépend et de quel pourcentage de la capacité il est prêt sur les. Enfin, voilà. Est-ce que c'est Oui, c'était une contracté des à questions, 80%, à effectivement. 100%, à 50%? Ça va dépendre de ça aussi. Alors, on va poser la question à Maud, effectivement. Non, mais je confirme, c'est tout à fait ça. Enfin, on arrive à aller chercher de la dette. Et ça dépend de l'off-taker.
Sur les projets, les gros projets industriels où on a un industriel qui nous prend 80% de la production avec un engagement de durée, bah forcément, c'est beaucoup plus facile de convaincre le banquier. C'est des business models qui se rapprochent un petit peu justement de ce qu'on connaît dans les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, c'est les business models en effet de l'hydrogène sont différents. On a, comme on parle d'hydrogène renouvelable, on fait beaucoup de parallèles avec le développement des projets de production d'électricité. Mais ce n'est pas du tout les mêmes business models. Et en effet, nous, on a un risque de contrepartie puisqu'il faut qu'on aille tous les jours chercher des clients, les sécuriser, signer des contrats avec eux. Voilà, on n'a pas un client pour 15 ans ou 20 ans. Oui, il n'y a pas de tarif d'achat garanti. Alors, on en parle en France. Il y a des projets de valorisation des garanties d'origine aussi, mais pour l'instant, on n'a rien. Mais est-ce que vous êtes preneur quand même, j'imagine, s'il y a un... Bah, preneur, c'est surtout ça permettra de faire baisser le coût de l'hydrogène et de faire décoller en fait cette industrie parce que c'est ça l'enjeu derrière. Bien sûr. Ouais. Et juste peut-être pour finir une dernière question, effectivement, pour vous faire réagir à ce que disait Pierre-Germain Marly, finalement le risque de dimensionnement, c'est de voir trop petit parce que il faut que ce soit gros, mais du coup, bah évidemment, il faut prendre plus de risques parce que si jamais ça ne devait pas marcher, on laisserait plus de plumes. Mais il faut faire gros tout de suite. Ça veut dire aussi que la filière doit avoir grand. Il y a beaucoup de jeunes sociétés comme Life qui grandissent vite, mais qui sont malgré tout encore petites. Donc ça veut dire qu'il va aussi falloir peut-être rassembler les forces, qu'il y aura peut-être des rapprochements parce que pour aller vite, sachant qu'il y a une concurrence évidemment mondiale, du coup, il va peut-être falloir aussi une consolidation accélérée d'une filière qui émerge tout juste. Alors, consolidation, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, si on parle de la France, on a deux sujets en France. Le sujet très franco-français de personne ne veut d'éoliennes dans son jardin, mais tout le monde veut son électrolyseur. Bon. Ce qui étonne beaucoup mes collègues allemands, parce que eux, ils sont plutôt dans une logique, ils ont compris qu'il fallait industrialiser cette production, et donc dans une logique où les lenders essayent de se rassembler. Mais en France, tout le monde veut son électrolyseur. Donc, ça, forcément, ça ne va pas dans le sens d'une baisse des coûts. Et puis, le deuxième sujet, c'est les financements qui sont disponibles aujourd'hui, notamment via l'ADEME, puisque, en fait, il est compliqué d'aller chercher des subventions pour des gros projets puisqu'on doit avoir sécurisé au moment du dépôt de subvention 50% de l'offtake, ce qui n'est pas évident. Et du coup, c'est vrai que ça, de mon point de vue, ça freine un petit peu le développement de gros projets. Maintenant, voilà, c'est des appels à projets qui sont en cours de révision suite aux dernières annonces d'Emmanuel Macron. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais c'est sûr que quand on voit des pays comme l'Allemagne qui subventionnent à 80% les véhicules et qui mettent le paquet justement pour avoir des grosses infrastructures de production, on se dit qu'il y a peut-être un petit pas à faire dans ce sens-là de notre côté aussi. Il va falloir faire un pas plus grand si on veut vraiment accélérer et permettre effectivement à la filière d'avancer et d'être plus compétitive. Eh bien, écoutez, alors je crois qu'on a eu un échange très riche. Il est déjà temps de terminer cet échange. Donc, un grand merci à tous nos intervenants. Il y a pas mal de questions qu'on pourrait davantage aborder, mais on aura l'occasion de revenir soit sur le site Green Univers, soit via Diode Webinaire sur ces questions qui sont tout à fait passionnantes. Donc, merci à tous. Dès ce soir, vous trouverez un compte-rendu en ligne donc, de nos échanges et la présentation dans son intégralité donc, de Clean Horizon de Michael Salomon. Prochain webinaire, eh bien, on en aura d'autres très bientôt, donc on vous informera bien entendu. Je vous signale un rendez-vous en présentiel, celui-ci, d'ici 11 février, le forum Time to Change, un nouvel événement ambitieux qui veut réunir donc, les acteurs clés du financement et les porteurs de projets sur la transition énergétique, où on parlera notamment d'hydrogène vert, donc un forum auquel nos abonnés sont invités. Merci encore à tous. Vous pourrez voir cette session en replay pour ceux qui l'auraient raté. Il y a possibilité d'assister à un replay. Et donc, sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.